Je serai toujours près de toi. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan! Jody, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as perdu du poids. Et tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré, je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Ils ne voulaient pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Comment ils ont fait pour me trouver? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. Pourquoi tous ces mensonges, Nathan? Comme cette parodie de couple qui s'est fait passer pour mes parents. La DPA pensait qu'il te fallait un environnement émotionnel plus stable, avec des parents aimants et un semblant de vie normale. L'important, c'était qu'on puisse t'examiner dans de bonnes conditions. M'examiner? M'examiner? Mais qu'est-ce que j'étais pour toi, Nathan? Dis-le, un rat de laboratoire? J'étais qu'une gamine, pas un putain de sujet d'étude! Merde, j'étais qu'une gamine innocente! Tu étais le lien! Tu étais le lien exceptionnel entre notre monde et l'inframonde! Tu étais tout ce dont on avait toujours rêvé! Et maintenant? Tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Tu me demandes de venir en aide aux personnes qui ont essayé de me tuer? C'est vraiment ça que tu me demandes, Nathan? Écoute, Jody, je vais t'expliquer. Pourquoi je devrais t'écouter? Tu travailles pour ces enfoirés, tu m'as raconté des mensonges sur ma mère et sur mes parents. Tout ça pour quoi? Le fric? La soif de pouvoir? La célébrité? Arrête! Tu sais aussi bien que moi que c'est faux! Non, j'ai l'impression de plus rien savoir.
On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jody? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça me regarde pas! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service et ils te libèrent pour tout bon. Je dis, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Nathan, je suis trop fatiguée, on peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolée, j'étais complètement plongée dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir? Ah oui. Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va, d'accord? D'accord, je vais le chercher. Alors, où est-ce qu'il est, ce livre? Arrête, Aiden. C'est pas marrant. C'est toi qui fais ça, Aiden? Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Jody, tout va bien? Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui? Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, qu'est-ce qui se passe? Ma femme.
Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jody? Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Feilongjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre, et nous nous assurerons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla. Salut, ma belle. Ça faisait longtemps, Jody. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans 2 jours. Bonne chance. Fais attention, Jody. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je ne suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Content de te voir.